sens. Et c'était sur le buggy, merde. C'était sur le buggy. Ah là là, allez, viens là, allez, débloque un peu là. Allez. Allez. Oh, tu débloques là. Allez. Allô. Oh, on va s'occuper de l'autre alors. Là, c'est, voilà, c'est beaucoup mieux là. Allez, énerve-toi un peu maintenant. Allez. Allez, conne. Ouais, voilà. Ils ont dégagé les saloperies. Maintenant, entre et récupère le réacteur lumineux. Alors, les réacteurs lumineux. C'est là. Hop. Voyons donc, ça a fermé, là. Génial. Maintenant, reviens me voir et je te filerai un flingue laser. Ou bien, tu pourrais me le détruire et je te filerai un super flingue Torg. Pourquoi? Parce que j'en veux personnellement au laser et que j'ai la rocking tenace. C'est un vrai problème dans mon quotidien. Balance le réacteur lumineux dans de la lave. Oh, j'aurais presque de la peine pour le gros balèze. Tu peux me donner le réacteur ou le détruire pour Monsieur Torg. Je t'aimerais toujours pareil. Allez, c'est parti, on met la gomme. Oh putain, c'est pas possible. Maudit ou quoi, là? C'est quoi ce mine, ça? Putain. Remarque, c'est un bon moyen de rentrer vite, hein. Voilà, comme ça. Voilà. On forme une bonne équipe, non? Entre moi qui fais rien et toi qui fais tout. Ah, c'est moche! Tout le monde s'amuse avec des armes laser et moi je suis là à faire exploser des trucs! Quelle vie de merde! Oh, c'est pas grave. Les gens aiment bien les explosions. Tu dis ça juste pour me faire plaisir! Les gens. On va à Concordia maintenant. Allez, go, c'est parti. Pas des explosions! Non! Moi j'aime bien les explosions, vraiment! T'es super! Vraiment? Alors, je t'aime bien! Ça te dirait de sortir avec moi? Désolé, j'aime pas les garçons. Coucou, Spanier! Athéna vous raconte l'histoire du réacteur lumineux, c'est ça? Je tiens juste à signaler que j'étais vraiment déprimé à l'époque. Aujourd'hui, je comprends mieux que son rejet n'avait rien de personnel et que... Et voilà, on est parti à Concordia. Alors on va pouvoir refaire le build. Un vrai Kouara, et je m'y connais. Trouve le dénommé Huxter. C'est un ancien d'Hyperion. Il dirige la ville. Là, ça va être vraiment un trou beau et visqueux, là, pour le coup. Allez, c'est parti. Hop. Tac. Hop. Hop. C'est assez près comme ça. Donne-lui le... Autorisation d'entrée, et que ça saute. Allez. Non, allez. Mais sans déconner. Tu viens d'enfreindre la loi de moralité verbale dans l'espace. Ça te fera une belle amende. C'est quoi ces conneries? Et hop, une deuxième. J'adore les règlements, ça me rend tout puissant. Ok, allez. Suis-moi ou je te colle une troisième amende. Ça marche pas, lui. Allez, go. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va? Oui, voici Concordia, le plus puissant des ports spatiaux d'Elpis. Quel dommage que tu doives admirer la ville depuis la cellule où tu croupiras. Leur patron. Je préfère te prévenir, ça va être bizarre. Ah, cool! Ouais, c'est bon! T'es complètement ok pour la décontamination. Boum! Je t'avais bien dit que je te ferais entrer. Maintenant, tu te débrouilles.
Alors là, on va donner un petit coup d'électricité. Ça relance quelque chose, non? Ok. Tu crois que c'est quoi ici? La fête du slip. Bienvenue, nouvel arrivant. Obéis à mes ordres. Va sur plateforme de décontamination. Bouge pas, sous-rayon. Allez, on va se laver. Clinique, stupide la Pushka. Je, Nina, viens me voir pour faire soigner, mais juste pour blessure grave. Nina a horreur des gros bébés. Sauf si c'est vrai gros bébé. Ça, Nina, j'adore. Toi blessé, tiens, prends. Bien, toi sur pied. Si besoin autre soin, utilise distributeur pour acheter santé. T'es pleine Nina, forme. Pousse-toi. Toi, revenir à mon cher. Oui, gentil. Bon, allez, on est parti. On va entrer dans Concordia. C'est parti. Je ne sais plus quoi faire de ton argent. Hop. Le mec que tu cherches, Huckster, se fait appeler le mérif. Un mix entre maire et shérif. On s'en fout, c'est débile. Mais il saura peut-être comment traquer le signal. Ce type profite toujours d'une généreuse pension du temps où il bossait pour Hyperion, dans ma division. Je suis quasiment son chef, c'est comme s'il était déjà de notre côté. Allez, je crois que l'ascenseur va être bloqué. C'était trop simple. Les visiteurs de Luz. Bon, alors, écoutez, pas de visite aujourd'hui. Wow! De l'autre, espèce de guignol à mauvaise débile. Merci de votre visite dans les bureaux du mérif. Nous espérons que vous avez apprécié vos interactions bureaucratiques. Bon bah, il n'y a plus qu'une autre personne qui pourrait nous aider, malheureusement. Allez, au up over. Elle est où, Moxie? Oh, attends. Tu vois ce couple qui danse? La fille avec les tatouages et le type avec une tronche de porte de prison? Des anciens chasseurs de l'arche. Ils t'aideront peut-être. Oh, enfin, la chance est avec moi. Une personne tente de m'adresser la parole. Rebonjour. Dahl vient de prendre Helios à Hyperion. On doit stopper le signal qui brouille ses systèmes. Hyperion, Dahl, y a vraiment une différence? On est en vacances, tous les deux. Ouais, désolé, mais on chasse plus les arches. J'ai horreur des tentacules. Comment ça? Va parler à Moxie. Hé, merde! C'est moi que tu cherches, Trésor? Mon Dieu, j'en peux plus. Rebonjour, Moxie. C'est Jack qui m'envoie. Tiens, Athéna, on s'était pas revus depuis cette histoire avec Nox. La forme, on dirait. Alors comme ça, c'est Jack qui t'envoie. Ça doit vraiment lui arracher la gueule. Enfin, c'est pas grave, c'est du passé tout ça. Qu'est-ce qu'il veut? Les soldats de Dahl ont neutralisé les défenses d'Helios avec un brouilleur. On doit trouver le signal et le désactiver. C'est trop sexy! Aled, arrête ça tout de suite! Arrête de me grimper dessus! Aled, c'est trop sexy! Aled! Tu veux trouver un signal? Alors tu vas devoir grimper pour placer des émetteurs sur les tours Echo en ville. C'est une triangulation toute bête. Ils vont te trouver la source et tu pourras la neutraliser. Juste un problème, j'ai pas d'émetteur ici. Mais ça peut s'arranger. D'abord, va récupérer les pierres lunaires que le claptrap douanier m'a confisquées par erreur. Mets-toi en route et je mettrai à jour ton système Echo. Fais-moi confiance. Tu vas comprendre. Hé, je peux en avoir un autre? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu travailles ici. Mais non! Je m'y ressemble seulement! Je passe ici là! C'est ça, oui. 2 minutes et tu te remets au boulot.
Je vais empiler tous vos crânes ridicules. Moxie me dit que tu cherches ces pierres lunaires. Je suis à peu près sûre qu'elles sont à la banque. Je te laisse le soin d'aller les chercher. Je suis pas très fan de la banque. Mais bon, ça a son utilité. Tu peux y déposer des trucs que tu veux pas trimballer partout. Ah oui, c'est vrai. J'avais rangé les pierres lunaires dans ma cachette, pas à la banque. Tu peux garder le flingue, son propriétaire n'en veut pas. Une cachette, hein? C'est là que tu peux ranger les objets que tu veux échanger entre tes personnages. Je sais pas pourquoi il y a mis les pierres lunaires. Machine pas marché, c'est pas branché dans Versa. Seulement, ils pouvaient se coller une amende pour débilité. Prends les pierres lunaires et apporte-les au marché noir. Consulte ton système écho. Montre les pierres lunaires au type là-bas. Il te donnera ce qu'il te faut. J'ai commandé des émetteurs il y a un moment déjà, mais j'aime pas trop aller là-bas. Cette Jenny Springs se sert de l'endroit pour me croiser par le plus grand des hasards. Qu'est-ce que tu veux ? Moxie m'a donné ses pierres lunaires. Il paraît qu'elle a des émetteurs à récupérer. Je te les file si tu veux bien te débarrasser de cette autre saloperie. Oui, Earl le dingue bourlingue pas mal. Il est bien pratique. Apporte-lui des pierres lunaires. Il te trouvera tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux ? J'adore ce type. J'envoie les coordonnées des tours sur ton système écho. Je m'occupe de tout depuis ici. Je reprendrai contact quand tu auras placé le premier émetteur. Vraiment ? Bah ok. La vache ! J'ai vraiment... Tu dois monter au-dessus de la boutique des trucs et bidules de Springs. Elle est pas là, elle pourra rien pour toi. Et qu'on soit bien clair, surtout. Dis à Jack qu'après ça, on sera quittes.